Huitième semaine de course sur la Barcelona World Race. En tête, Bernard Stam et Jean Le Cam mènent leur cheminée Pujula à toute vapeur, facile, sur la route du Cap Horn. Ils ne sont plus qu'à 1500 nautiques du mythique caillou. Derrière, 15 000, autant dire vraiment pas grand chose, séparent Neutrogena et Gaes, lancés en plein Pacifique dans un duel pour la deuxième place, digne d'une régate côtière. Si Guillermo Altadil est toujours aussi mutique et peu partageur, Anna Corbella régale. La clave es no tener ningún problema para poder mantener la distancia y salir del Pacífico pues lo más cerca posible, ¿no? Y después en el Atlántico se va a decidir. Nosotros no vamos a hacer el loco ni a apretar muchísimo más. Si él quiere hacerlo, pues se va a ir, eso está claro. Nosotros no vamos a apretar a lo loco aquí en el Pacífico. 22 février, 23h04 UTC. Renaud Capture est à quai à Wellington pour réparer son safran tribord endommagé et repartir au plus vite pour conserver une quatrième place, dont We Are Water entend s'emparer. Reste que les Garcia voient revenir One Planet, One Ocean et Pharmaton sur leur arrière. En une semaine, leurs compatriotes ont gommé 540 000 de retard. L'affrontement promet entre les deux équipages novices. Bon esprit. On est content parce que même si Oppo il nous a raccourci la différence, on est content parce qu'ils sont des copains, ils sont de bons navigateurs, on va faire les pratiques ensemble, je pense. Et en plus, les bateaux, il est pas au 100%, mais il est presque tout bien. We are very happy because this week we have been doing a lot of miles, and we have been approaching to winter weather. We had a very good condition for this. We had a strong wind, but not too much, and then we can push the boat in these conditions. So we are very happy. Deux mois de mer, deux mois loin de tout. Alors quelques photos de la famille Gélabert pour les jours de blues et Didac Costa accroché à son porte-bonheur. Je vous avais dit que Guillaume vous avez raison. Ah ouais, la photo, je vous raccorde à la famille. C'est cada cop que fait son bête. És molt quotidià, però que aquí té molta importància. És la meva collera de la sort, que porto des que vaig fer la primera travessa de l'Atlàntic, així que la guardarem en compte, perquè ens porti bona sort. La cuillère de bois, elle, est toujours pour Spirit of Hungary, qui entre à son tour dans le Pacifique. 13 jours après Cheminée Pujula, à plus de 4000 milles derrière Bernard Stam et Jean Le Cam, est de nouveau en proie à des problèmes de hook et de chariot de grand voile. Par 35 nœuds devant et une houle énorme, Nandorfa monte tenter de réparer. Les conditions sont telles qu'il est ballotté comme un pantin, heurte le mât à plusieurs reprises. Il redescend avec une profonde entaille à la tête. Conrad Coleman lui pose 4 points de suture. Le problème de grand voile n'est pas résolu, il décide d'une escale en Nouvelle-Zélande. Après Neutrogena et Renault Capture, Spirit of Hungary est le troisième bateau de la flotte, forcé à un arrêt technique au pays du long nuage blanc. Trois mois de mer, trois mois de course, trois mois d'efforts intenses. Sur les IMOCA, pas de surpoids possible, pas de cuisine, pas de réfrigérateur. Bienvenue dans le monde héliophilisé. L'héliophilisat és un platja acabat a la qual li hem extret tot el que és la part humida, tota l'aigua, per un procés de congelació i buit. Afin d'obtenir une nourriture particulièrement savoureuse, deux restaurants renommés, Las Cols et El Sellar de Can Roca, ont élaboré une cuisine d'auteur lyophilisée pour les skippers.
posem aquí els productes a liofilitzar i a partir d'aquí la connexió amb la màquina el que fa és anar extraient poc a poc l'aigua per baixa pressió i va parar amb els dipòsits. Trigaríem més o menys en programes establerts d'unes 48 hores aproximadament i a partir de 48 hores ho traiem i ja anem a paquetar-ho. Com que sempre quan el proves és en situacions una mica extremes, extremes en quant a cansanci o en quant a fred, realment és una alegria, no? Perquè t'estàs menjant quelcom calent, quelcom confortable, en un ambient no molt propici per això, no? La préparation est un peu plus simple. Ajoutez de l'eau bouillante dans le sachet, mélangez et attendez 5 minutes que l'eau ait été absorbée. El que ells ens anaven transmetent molt és que volien productes frescos, perquè tot el que tenien al mercat eren productes molt, molt guisats, que al final et cansaven molt, perquè arribaven a tenir tots un gust molt similar. I en canvi no hi havia res del que en diem dieta mediterrània. Muy bueno, muy bueno. No sé qué lo que era, pero está... Tiene un gusto particular. Está buenísimo. Oh, oh! Partim d'elaboracions tradicionals, elaboracions que podem tenir en el menú degustació del restaurant Les Cols. Nosaltres hem intentat donar-li diferents aspectes. Un és el gust, evident, que siguin propostes molt, molt genuïnes, autèntiques, i que es trobi gust a l'elaboració. Fàcil de cocinar, hi ha molta varietat i, bueno, no s'acostumbra, no? El resultat és supersatisfactori. Conserva el gust i conserva les seves propietats. Ara, aquest sobret té 1.080 calories. És interessant oferir una proposta genuïna, autèntica, sui generis, que per l'esportista navegant en aquest cas, doncs, quan se l'estigui menjant, realment li donem un petit toc d'alegria o es pugui evadir una mica, no?, quan està menjant el liofilitzat al mig de l'oceà. La nourriture liofilisée a donc fait des progrès. Pratique et relativement savoureuse, la gamelle n'en devient pas moins lassante après quelques semaines de mai. Logiquement, les skippers s'autorisent quelques menus plaisirs. Il coûte 250 000. Le Cap Horn est une porte de sortie à claquer derrière soi pour clore le chapitre du Grand Sud, quitter l'immensité du Pacifique, ses coups de baston, sa mer monumentale, le froid et l'isolement. Pour les skippers lancés autour du monde, ce n'est pas rien. La légende des Caporniers se réinvente à chaque passage. Dans la nuit du 24 au 25 février, après 55 jours, 12 heures et 53 minutes de course, Cheminée Poujoula est pointée à la longitude du mythique rocher à 0h53, temps universel. Bernard Stam et Jean Le Cam passent à 14 nautiques dans le sud du Caillou. Vent d'ouest de 25 nœuds, mer formée 4 à 5 mètres, temps couvert. Quand on ne le voit pas bien, mais il est bien derrière nous, le Cap Horn. Demain, ça fera exactement 8 semaines qu'on est parti. Ouais. Et on n'a pas vu la Terre depuis 6 semaines. On n'a pas vu la Terre depuis 6 semaines, ouais. C'est ça, hein. Ouais. Pas mal, hein. Cap sur le détroit de Lemaire, la terre de feu à bâbord, l'île des États à tribord, avant d'évacer les Malouines laissées à l'est. Par rapport à l'orthodromie, à savoir la route la plus courte, le leader de la Barcelona World Race a parcouru 16 400 milles et Barcelone est à 6 900 nautiques. Sur le fond, Cheminée Poujoula a réellement parcouru 19 450 milles, soit 36 021 km. C'est un peu une porte de sortie, une mer du Sud, bien que après le Cap Horn, on est encore dans les mers du Sud à un moment, mais t'as quand même l'impression d'être arrivé à un point de passage important qui nous permet de remonter. Forcément, c'est un passage un peu spécial parce que c'est chargé d'histoire, voilà, et c'est un peu tout ça en même temps, quoi. En fait, on a reçu un mail là, de MRCC, donc des marines anxiogènes, qui nous disait « Bienvenue en Cap Horn, nous serons là en cas de problème, vous devez savoir que c'est l'endroit le plus dangereux au monde !» C'est rassurant comme petit message, quoi. Parce que si tu veux, ça dépend dans quelles conditions tu le passes, c'est toujours pareil. En deuxième position, notre Ogénette est attendu au Cap Horn 3 jours après Cheminée Poujoula. Le Chilien José Munoz navigue à domicile.
100 000 derrière, un accord Bédia compte passer à l'attaque dans l'Atlantique. Pour l'heure, elle est en overdose de Grand Sud. En ce moment, je dirais que bastante bien, sabiendo que estamos, estoy en mi océano, estoy cerca de mi país, muy contento. Estamos hablando de algo mítico, no es algo que pueda pasar tantas veces seguido como uno lo espera. Obviamente, algunas veces he intentado cruzar y no se ha podido por las circunstancias meteorológicas que tiene nuestro lado, que es bastante adverso. Moltes ganes de creuar-lo perquè estem bastant farts ja d'estar aquí baix. Tenim ganes d'anar cap al nord i de començar a navegar amb condicions una mica més humanes que les d'aquí a baix. Entre Weirwater et le surprenant One Planet One Ocean et Pharmaton, distant de 200 000, la lutte pour la quatrième place est permanente. M'esperava que anéssim bé, però fer 420 milles en 24 hores va ser una gran sorpresa, la veritat. Bueno, sabíem que era un barco fiable i seguim endavant. 600 nautiques plus loin, Renault Capture va tout tenter pour croquer les deux bateaux catalans d'ici Barcelone. On a vu que ces derniers jours, on a gagné un petit peu chaque jour. On verra plus clair quand on aura passé cette dépression là, et on sera en ligne droite après pour pouvoir mettre un peu la power. Et oui, on les surveille. Il nous reste quelques concurrents quand même, donc on essaie de les surveiller. Bluff en Nouvelle-Zélande, c'est avec plus de deux semaines de retard sur les leaders que Nandorfa et Conrad Coleman reprennent bientôt la mer. Superbe abnégation.